L'idée de ce film, Les Noces à Anne-Élie, est venue de Dounia, notre productrice. Et j'ai bien sûr tout de suite adhéré, j'ai trouvé l'idée formidable, ce travail sur le patrimoine, sur des traditions et des coutumes millénaires en fait. C'était important de donner à connaître cette culture qui est notre culture. Grâce à une équipe absolument extraordinaire, je dois reconnaître que nous avons une très très belle équipe. Tellement ils se sont bien fondus, ils ont été discrets et finalement les gens oubliaient la caméra. Et ça c'était vraiment extraordinaire. On était dans une région où ils n'ont pas l'habitude de voir des caméras, ils n'ont pas l'habitude de... On était un peu comme des ovnis arrivés. Dans ce village qui vit pratiquement en autarcie. C'était très dense parce qu'on filmait jour et nuit, donc il fallait former les équipes. Tout le monde voulait d'ailleurs travailler tout le temps, mais j'ai quand même, je disais non, on va quand même mettre un peu d'ordre. Thank you.
convenu convoyeur. Pour aller à la ville la plus proche, ils ont besoin de 7 heures de route, ce qui fait, c'est-à-dire dormir, donc ils n'y vont pas. Et pour nous aussi, ça a été absolument extraordinaire, la rencontre avec ces gens simples qui vont à l'essentiel. On retrouve les besoins essentiels de l'humain et tout est dans le symbole et pas dans les apparences. Faut y aller, Mehdi.